Shalom, shalom. Bienvenue dans le royaume du berger Raphaël béninois. On n'a pas assez grand de choses, mais on a un peu celles qu'on a. Ça, c'est le monde du paramètre. Regardez ici, c'est le monde du savon. Avec ceci déjà, vous avez déjà ce que vous voulez. Ici, maintenant, ça, c'est le savon Moïse et Aaron. C'est un savon. Le retour à l'envoyeur qui permet encore en même temps l'ouverture. Ici, nous avons le savon roi David qui brise les chaînes spirituelles. C'est que pas de femme, pas de mari, pas de travail, ceci brise ça. Voilà la fameuse savon qui est ici. Ça, c'est une commande. C'était deux, j'ai fait une. J'ai fait aussi une réservée. C'est le savon qui est dedans. C'est le savon qui ne reste jamais dans les plastiques ni. Et dans la calebasse. Pourquoi? Parce que le savon, c'est un savon qui est élémentaire, c'est en communication avec la terre. Ce qui fait que ça invalide les mains sorcières. Ça élimine les mains sorcières. Donc, le savon, si c'est ça qui est ici. Le savon, si ça s'utilise rien que chaque premier jeudi. On le dit du mois. On se douche avec ça pendant 7 jours. Et vous faites votre vœu de ce que vous voulez que le mois soit pour vous. Et on se réveille tôt le matin pour se doucher avec ce savon pendant 7 jours en faisant vos vœux. Je vous jure. Toutes les attaques qui vont venir dans le mois pour vous bloquer les succès, ça ne marchera jamais. Donc c'est un savon haute puissance. Voilà. Peu importe où vous êtes dans le monde, peu importe où vous faites de la terre, vous pouvez avoir ce savon avec vous. C'est un savon qu'on appelle El Gibor, le secret de la richesse. Un savon qui est puissant, favorise l'abondance financière pour l'ouverture des activités et délivre celui dont les postes financiers ont été bloqués. C'est un savon qu'il ne faut pas blaguer avec. Wallah. Voilà. Donc, ça vient de sortir à peine. Parce que c'est un frère qui m'a donné la chair de poule parce que je l'ai préparé ça, il est vraiment content. Voilà. Ici, nous avons le savon Jéhovah, savon Alpha et Oméga qui élimine les malédictions familiales. Ici, nous avons Jésus la solution. Et ça, c'est pour les commerçants, pour attirer la clientèle. Ça, savon Moïse 2, Moïse Aaron 2, contre la sorcellerie. Ça, c'est le scandale. Le savon scandale. Lorsque ça s'utilise rien que les soirs. 3 fois par semaine, je crois. Et ça lutte contre la sorcellerie, protège contre les mauvais œils, attire la clientèle. Très puissant. Il y a aussi le savon 41 pouvoir. Ici, c'est pour les malades. Ça, c'est le monde des malades. Ou bien ceux qui sont sous les traitements, et puis, ou bien manque de sang, ceux qui ne guérissent pas par rapport à leur traitement. C'est le savon là qu'il leur faut. Ça ne blague pas. Alors, ici, nous avons. Ici, il y a la chaîne de cerf, vous voyez, le collier de cerf, qui attire le cerf qui est le roi des animaux. Il est le roi des animaux de la forêt, Yahweh Zogbano. Ça attire la bénédiction, hein? Ça attire le pouvoir des esprits des anges. Et lorsque vous avez ce chêne au cou, vous êtes aimé par tout le monde, sollicité par tout le monde. C'est un chêne qui apporte tellement de succès, qui vous donne de la voix dans le public. Et très puissant pour les hommes de la spiritualité, c'est ça qui est ici. Très puissant. C'est un chêne qui est très, 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 très puissant. La chaîne de cerf, c'est très puissant, je vous jure. C'est très puissant. Il y a les bracelets qui sont là. Ça, c'est le parfum, mon destin. Pour une femme qui cherche à trouver un homme. En quelques jours, l'homme du destin, et voici le savon du destin. Ça, c'est l'amulette, le pouvoir du lion de l'air. Ça, c'est contre la sorcellerie. Si c'est dans votre chambre, vous aurez des visions. Un. Secondo, aucun sorcier ne peut pénétrer votre chambre. Jamais. Et, à part ça,
Ça, c'est le chandelier pour les prières. Le roi a mis du parfum. Non. C'est. Ah, voilà. Ça, c'est le sel. Le sel sacré, la colombe. Ça, c'est pour unir deux foyers. Là où il y avait une dispute entre couples, ou bien on commence pas à envoûter ce couple par les mauvaises oeuvres, on veut que ce couple se sépare, ou bien l'homme aime sa femme aime son impu discute. Il suffit que l'homme et la femme goûtent, ou soit la femme met clandestinement le sel dans la nourriture de l'homme, je vous jure, ou soit l'homme le fasse. Les deux peuvent manger ensemble. C'est uni jusqu'à l'éternité, je vous assure. Rien ne pourrait les séparer au nom de Dieu tout puissant. C'est tellement puissant. Voilà. Et ici, ça c'est un liquide pour éliminer les tchakatou. Il y a un missile qu'on appelle tchakatou dans le corps. Ça élimine ça. Ça, c'est pour lutter contre les problèmes de foie. Quelqu'un qui a des problèmes de foie. Ça, c'est pour la prostate. Ça, c'est une boisson de retour à l'envoyeur. On ajoute juste de l'alcool. Retour à l'envoyeur. Et ça, c'est un savon que vous voyez. On appelle ça le roi de la jungle. Lorsque vous êtes dans un service, vous êtes dans un poste et quelqu'un voulait vous enlever, on voulait vous faire du mal, vous ne commencez pas à vous lutter. Si vous ne commencez pas à l'utiliser, ce savon, il y a des paroles que vous prononcez. Parce que lorsque le roi de la forêt a pris une place à un endroit, aucun animal ne lève la tête. Si quelqu'un essaie, il va partir. C'est un savon très puissant. Le roi de la jungle. Savon, le roi de la jungle. Ça, c'est pour lutter contre la pauvreté. Quelqu'un à qui on lui a donné la pauvreté. Tu travailles, tu ne trouves plus, tu ne gagnes plus rien. Les chaussures ne commencent pas à déchirer. Les habits ne commencent pas à déchirer sans que tu ne le saches. Le savon là, le petit savon que vous voyez là, ça s'utilise seulement à 21 jours ou bien 7 jours. 7 jours, ça suffit. Il y a plein de choses dans le royaume de Bergin. Ça, c'est le seul qu'on... Ça, c'est la fameuse Kashkara. Kashkara, pas d'amis. Que la personne soit farouchement un puissant sorcier. Ça, c'est à zéro que tu vas utiliser. Je te jure, tu mets ça dans le tu te douche. Ceux qui connaissent. Kashkara, il ne s'amuse pas. Son prix n'a jamais diminué. C'est le prix que ça a été, c'est ça qui est. Son prix n'a jamais diminué. Kashkara, c'est zéro. Lorsque la personne est vraiment un ennemi puissant, Kashkara va lui dire tais-toi. Ça, c'est sans pitié. Voilà. À part ça, nous avons les produits de ces sacrements. Ça, c'est la fameuse encens apocalypse. On a beaucoup de thèmes. Et c'est à quoi t'aimer. Ça, c'est pour tout. Là où ça met ses pieds là, je ne vois pas ce sorcier là. Et ça attire les bons esprits. Cet encens, c'est du cadeau. À part ça, nous avons les luttes de Nazareth là-bas. Bon, chers frères et sœurs, comme pour le dire, vous voyez que dans la vie, il n'y a rien facile. Il n'y a rien de facile. Je vais vous donner juste une rituel. Vous avez fait. Vous trouvez ceci, le caméléon. Ça. Vous trouvez ça. Vous avez trouvé l'écorce de Iroko. Écorce d'Iroko. Et vous tournez. Vous trouvez ceci. Toi. Vous allez tout piler. On les pile. Vous allez les piler correctement ensemble pour que ça donne de la poudre. Mélangez avec du savon parfumé. Laissez reposer pendant 3 jours. Je ne commencez pas à utiliser. Si vous n'avez pas la chance. Si les choses ne s'ouvrent pas, appelez-moi et je vais vous dire. Ça, c'est clair. C'est que les choses vont démarrer dès que vous ne le savez pas. Mais si vous avez avorté, vous avez fait certaines choses, vous devez savoir que les voies vont se bloquer. Ça, c'est clair. Parce que lorsque vous avez commis certaines erreurs, ne pense pas que la nature va vous laisser jouir de ses grâces encore. Il faut vous purifier. Plus 229, le 95, 26. 41 46 plus 229 ou 95 26 42 46. Je vais vous donner un rituel d'amour simplement. Vous
chercher le parfum 23. Il y a un parfum 23 pour chercher le parfum 23. Vous ouvrez le bouchon, vous allez payer du gingembre. Mais il faut que le gingembre doit avoir un peu de racine. Vous coupez le gingembre, vous mettez ça dans le parfum 23. Laissez-le reposer pendant 3 jours. Commencez par vous embaumer le corps. Vous serez aimé par tout le monde. Berger Raphaël, le sorcier du Saint-Esprit. Où vous pouvez trouver Berger Raphaël? Nous sommes tout juste à Cotonou, au niveau de la mairie Zobo, au 9e arrondissement. Là. Ah, on est au 10e. C'est le 10e, ça? Ah, ok. Donc, on est au 10e. Voilà. Au 10e arrondissement de mairie Zobo. En allant vers le stade de la mairie Mathieu Kérékou. Donc, lorsque vous arrivez au niveau de la mairie, là, il y avait une voie pavée. Vous allez voir qu'il y avait une barrière. Là. Voilà. Donc, vous prenez la voie pavée là. Comptez 4e voie à gauche. Dans la 4e voie à gauche, tout droit devant vous, vous allez apercevoir une boutique. Ils ont écrit Jérusalem, c'est le celle-là. Venez là tout simplement. Demandez d'appeler Berger Raphaël. Ses enfants sont là, si lui-même n'était pas là. Et tout ira bien. Tout ce que vous voulez, vous venez, on va en discuter. Mais je vous assure que le Dieu d'Israël, lorsqu'il touche quelqu'un, c'est la grâce et la bénédiction. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et que la paix de nos ancêtres, la grâce de nos ancêtres soit avec vous. Shalom. Namaste. Merci.